Complètement normal. Incroyable. Ah, c'est génial. Ouais. On voit en Dieu un leader. On voit bien que Dieu c'est quelque chose d'immense. On a aussitôt envie de devenir sculpteur. Hein. Au lieu de se tirer les balles les uns et les autres. C'est la nature elle-même qui donne envie de faire des choses splendides en peinture et en sculpture. Parce que les nuages existent. Évidemment, les profanes n'ont même pas envie de regarder les nuages. Ils s'intéressent qu'à leurs zizi. Donc ils n'ont qu'une imagination, qu'un intérêt pour les choses admirablement représentées, pour la peinture, la grande peinture, la peinture qui est sur les coupoles hein, dans les églises. Pas de peintres qui ont essayé de faire aussi bien que ce qu'ils ont pu remarquer dans le ciel. Et en voyant des choses pareilles, et ils ont pas, bah, ils ont tout de suite compris que Dieu existait, hein. Mais ils ne pouvaient pas être athées. Sauf que comme ils avaient que des problèmes et qu'il y avait la mort et qu'il y avait les maladies, ils se sont mis même il y a une silhouette hein, dans le bleu là. Il y a là un nez, un œil, une bouche. Il y a aussi les silhouettes dans le bleu. Hein. Il n'y a pas que les silhouettes de nuages. Hein. Il y a les pleins, les empreintes et les contre-empreintes, hein. Il y a les pleins et les déliés hein, dans les nuages aussi. Mais évidemment, il faudrait avoir des écrans encore plus grands pour pouvoir prendre, parce que là on a le menton du bleu, mais c'est gigantesque, hein, c'est un visage énorme et ça c'est l'œil. De cette chose, de cette figure qu'il faut regarder, voilà, comme ça. Voilà, mais il faut tourner la tête, il faut pencher la tête pour la voir dans le bleu. Et donc l'écran est trop, même rectangulaire, est trop petit. Il faudrait qu'il soit le double, avec deux fois, comme deux écrans, l'un sur l'autre, posés, pour avoir à peu près ici, le nez, et puis ici la bouche et le menton. C'est gigantesque, hein. C'est bien plus que pharaonique, hein. C'est divin, hein. Divin, le divin, c'est mégalo au maximum, hein, parce que pour gérer le cosmos, hein, les galaxies, les univers, jusqu'aux particules, hein, c'est-à-dire aux moindres particules, élémentaire là, le moindre de ces particules blanches est déjà prévu à servir pour autre chose. Et en plus, ça porte des tonnes de litres d'eau d'une façon archi élégante. C'est pour ça que j'avais dit à travers le temps que l'élégance, ça ne se voit pas, ça ne se remarque pas. Et ça peut. Surtout si on a baissé le variateur de la vision de l'Atlantide, alors à ce moment-là, personne ne voit. Mais là, on a quelque chose
qui en plus nous entend et nous écoute. Hein. C'est archi, c'est admirable, c'est un petit détail dans cette chose gigantesque qui a un visage. Alors il faut aller le chercher. Heureusement que le zoom existe, hein, que ces caméscopes font observatoire de nuages. Mais malheureusement, quand on est là-dessus, eh ben, on n'a pas ni cette partie-là, ce visage, on n'a que celui-là, et on n'a pas non plus l'évolution de cet énorme visage qui est ici, au premier plan, avec un œil ici. Et alors là, c'est ni, et on perd ça. C'est pour ça que j'ai eu cette idée d'un caméscope avec cinq objectifs et cinq cartes mémoire au moins. Quand on est là-dessus, eh bien, aussitôt, ça déclenche l'autre objectif qui continue à filmer comme ça. C'est pareil, quand on est comme ça, eh bien, les autres objectifs s'arrêtent. Non, car si on a commencer à filmer ce détail-là, eh ben, il y a l'objectif et la carte mémoire qui continuent à filmer cette carte mémoire, ce détail. Donc on aura sur le même truc, on aura ça, ça, et ça, et ça. Donc cinq objectifs. Malheureusement, on sonne à la porte, je dois interrompre la séquence.